Des gants, des chaussures, des ceintures, des selles, on trouve de tout dans ce salon du cuir. Saint-Junien a reçu pour la deuxième fois les professionnels de ce secteur très innovant qui s'étend du luxe à l'ameublement. Un secteur riche en main-d'œuvre, mais aussi très polluant. Les entreprises en ont conscience, elles n'ont pas le choix, elles doivent prendre en compte les problématiques environnementales. Aujourd'hui, le consommateur n'est plus celui d'hier. Il cherche à savoir quel produit il achète, d'où il vient, quelle traçabilité il existe sur ce produit. Donc les entreprises n'ont pas le choix. Et puis il y a la bonne conscience aussi des dirigeants, des présidents de ces entreprises qui se posent pour des questions de bon sens aussi, hein, les bonnes questions pour mettre en place des beaux projets. Exemple avec cette société de tannage installée en Dordogne, elle n'utilise que des produits naturels pour nettoyer et teinter ses peaux. On ne travaille que le végétal, donc on n'a pas de produits dangereux. Nos tannages sont du mimosa, du châtaignier et du chêne. Donc tout ça, c'est recyclé, retraité. On est contrôlé par la DRIA et le département qui vient contrôler nos eaux usées. Du côté des fabricants, on fera attention à utiliser le maximum de peau et à réduire les chutes de cuir, où on remettra à neuf d'anciens produits comme cette selle qui sera revendue au prix de l'occasion.